Salut les Vapeurs, Sarah de retour, comment allez-vous bien? On est mercredi 8 juillet, il est 15h03 de l'après-midi. Je viens de shooter un close-up, une petite conclusion sur l'IVIC VT de Joytech combiné à son Nego One Mega en version black. Très bon setup. Encore un très bon setup chinois, même sûrement le meilleur setup chinois que j'ai testé jusqu'à présent. Là, on est vraiment dans du lourd. Hein. Moi, je suis absolument excellemment fan de cette box. Le clear au moins, parce que voilà, c'est pas ma vape, que ça passe bien le 50-50, mais sans plus. Ça a l'avantage d'avoir des têtes en titanium, des têtes en nickel, si on veut s'amuser au contrôle de température. Donc, box qui marche en power jusqu'à 60 watts, mais également en contrôle de temp. Nickel et en contrôle de temp titane au choix. Donc très sympa, 5000 mAh d'autonomie, excellente autonomie. Excellente vape, très lisse, excellente prise en main, très agréable, je la trouve super jolie. Façon bagnole de course américaine, hein. Muscle car comme on aime à le dire tellement on s'y connaît en muscle car, moi je savais pas que ça existait les muscle car. Voilà, enfin, c'est très chouette, franchement. Trois coloris, orange, blanc ou noir, au choix. 80 boules la box, 100 boules le kit complet avec le clearo, je crois, et les têtes, etc. Existe également une tête reconstructible pour le clearo. Bref, je redis tout ça dans le close-up qui est relativement long, comme d'habitude. Ceux à qui ça déplaît, bah, faites votre salade. Et ceux que ça intéresse, on y va tout de suite, c'est parti! Donc les Vapers, nous voilà en gros plan sur l'IVIC VT de Joytech qui arrive dans une boîte en carton. Tout ce qu'il y a de plus banal maintenant. Joytech.com. Les couleurs ici, EU pour le chargeur européen. Il me semble que toutes les boîtes arrivent avec un dessin de la version orange. Même s'il y a trois versions. EVIC VT pour variable température. Ici. Contrôle système. Titane ou nickel. Et en watts, 60 watts ou 8 volts. Dans la boîte, pas mal de petites choses. Un manuel à lire absolument. Avec une section française de... pas énorme, 4-5 pages, je vous conseille de les lire, on y apprend des choses, ça évite de se poser des questions inutiles, on y reviendra. Un petit scratch code, une warranty, carte de garantie. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a la box qui est ici. En dessous, on a un petit faux plancher avec dedans une housse silicone. Sympa qu'il les fournit, moi j'apprécie pas cette chose. Un chargeur. Secteur de 1 ampère, je crois, je vérifie. 1000 mAh, donc c'est bien ça. Et un câble USB, micro USB. Ainsi que deux têtes CLR. C'est ça, elle s'appelle CLR, je suis même pas certain. CLR, c'est peut-être la reconstructible. Pardon, j'ai pas trop potassé le clearo, je dois avouer. Bon, c'est des résistances Ego One quoi. Sauf que il est fourni avec une comme ça rouge avec des o-ring rouges en titanium et une avec des o-ring bleus en nickel. Par contre, ils fournissent pas la reconstructible, ça aurait été pas mal, je trouve, pour un kit bien complet. Mais il existe une tête CLR donc reconstructible
qu'on peut trouver toute seule ou par 5, je crois. C'est bizarre parce qu'en fait, les CLR, elles sont soit en titane, soit en nickel, je crois. Et ça va être 14-15 euros les 5. Mais on utilise le coil prémonté et après, on peut les reconstruire, quoi. Donc voilà, et évidemment, le Ego One Mega que j'ai monté sur la box, assorti à la couleur de la box choisie. Alors il existe des kits avec Clearo à environ 100 euros, je crois 90 ou 99, et il existe des kits avec que la box à 79-80 euros. Je parle ici des prix français, on peut sûrement trouver moins cher, peut-être en France, mais surtout chez nos amis tinois. En tout cas, le prix généralement constaté en France, c'est 80 euros pour la box et 100 euros pour le kit complet, quoi. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce package? Bah, c'est tout. Je vais me garder le livret. Je vais remettre tout ça. Au cas où, le livret. Donc la box, vous la connaissez, hein, il y a déjà eu énormément de reviews. Moi, j'ai choisi la noire qui s'appelle Cool Black, noir cool. Il existe la Racing Yellow, donc c'est la orange. Et il existe la Dazzling White, c'est éblouissant, blanc éblouissant, qui est blanche et les traits bleus. Voilà. Donc on va venir tout de suite sur la petite protection silicone qui se met excessivement bien, voire trop, je trouve. Ça se glisse parfaitement, facilement. Alors pour ceux qui ont peur de la rayer ou quoi, c'est quand même pas mal, ça tient quand même bien en place. Après, moi je trouve ça assez laid, quoi. Ça expose l'écran, ça expose les petits trous d'aération, la prise du micro USB, le bouton est en dessous, mais ça reste très bien. Donc voilà, pour cette petite coque, c'est quand même sympa qu'il la propose. Elle serait transparente et laisserait passer les couleurs, ce serait mieux, à mon avis. Donc voilà pour ça. On va passer au vif du sujet, ou pas. Peut-être qu'on va commencer par le Clearo. Je ne vais pas m'épancher sur le Clearo. En fait, j'avais déjà review le kit Ego One. Donc c'est le même genre de Clearo, sauf qu'il est un peu plus gros. Donc il est en 22. Il a un drip type différent. C'est le même drip type que le Delta 2, exactement le même, hein. Sauf qu'il est poli, alors que sur le Delta 2 il était brossé ou mat, en tout cas, sinon avec l'intérieur en délerin et en plastique, quoi, et recouvert de je ne sais quel métal poli avec un bon tirage. Voilà pour ça. Ego One Mega, on a pour maintenant enfin des fenêtres qui permettent de voir son niveau de juice, donc ça c'est plutôt pas mal. Toujours un réglage d'airflow absolument impeccable. Bon, évidemment, sur le noir, on voit pas super bien, mais bon, réglage d'airflow, 510, rien à dire, non ajustable, on s'en fout. Ici monté avec donc la tête en titanium, en nickel, pardon, hein, O-ring bleu nickel. Vertical coil, on voit rien du tout. Est-ce que je peux améliorer ma luminosité vite fait et ma mise au point vite fait? On voit pas grand chose, elle a pas mal servi, hein. Bon, ça marche bien ces petites têtes, mais les trous sont vraiment petits. Il y en a que deux, hein, c'est ça, il y en a que deux, ils sont pas énormes, donc moi j'y passe du 50-50, je vais pas me risquer à passer plus que ça. Autre nouveauté, enfin c'est un peu normal puisqu'il est plus large, on peut remplir vachement plus facilement que sur le mini Ego One que j'avais review. Donc voilà, rien de spécial à dire sur ce petit Clearo qui a quand même une bonne tête, un bon finish, une peinture impeccable. C'est pas un coating céramique comme sur le Subtank V2, je sais pas, ça doit être une peinture, mais en tout cas ça bouge pas, j'ai pas un pet, c'est un joli noir. Voilà, ça a le mérite d'exister et ça va plutôt super bien avec la box.
faut bien l'avouer. Donc si on achète le kit orange, le Clio sera orange. Si on achète le kit blanc, le Clio sera blanc, évidemment. Voilà. Ici, point 22 ohm, réglé sur le contrôle en nickel. watts au pif. Voilà pour le Clio vite fait. On va passer quand même à ce qui nous intéresse le plus, c'est-à-dire la box. La box, je dois dire, dont je suis particulièrement fan. C'est quand même un superbe objet, je trouve, d'un poids certain, d'une taille correcte. Enfin, j'ai pas pris de box pour comparer les tailles. Hop, premier aller-retour. Pardon, on est plus ou moins à la taille d'un RDNA 40 en moins épais, un poil plus large, on est un poil plus lourd. Voilà, et par rapport à un mini K-Box, même hauteur que la mini K-Box exactement. Merde, je suis vraiment un crétin. Voilà. Du coup, même hauteur quand même, peut-être un poil moins haut. Ouais, non, même hauteur, un peu plus large, un poil plus épais. Enfin, on reste vraiment dans une taille contenue. Donc voilà pour les tailles. J'ai pas les tailles, mais on va les voir sûrement sur le packaging ou pas. Mon pied à coulisse me fatigue, donc je vais pas sortir mon pied à coulisse. Les tailles, franchement, si je les trouve rapidement, 25 d'épaisseur, 47 de large, 85 de haut, ça doit être ça, 85,6 de haut, 25,5 d'épaisseur, sachant qu'elle est un peu plus épaisse en haut qu'en bas. On a un espèce de biais, enfin, on va voir ça, et 47 de large, donc vraiment. La taille de la main, quoi, juste ce qu'il faut. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Donc c'est une peinture très très belle. Bon, elle va être un peu crasseuse, hein, je m'en sers énormément. Une peinture un peu pailletée, il y a des petites paillettes quand on regarde bien. Est-ce que je vais réussir à montrer ça? Ouais, on les voit, les petites paillettes brillantes. C'est vraiment qualitatif terrible, quoi. Donc évidemment, l'esprit, c'est une voiture américaine de sport, hein. On reconnaît ici le capot. Donc on voit le petit biais dont je parlais. Ici, on est plus bas que là. Ça monte sur le milieu. Genre capot de voiture, quoi. Et c'est vraiment super joli. Super, ça a l'air super résistant. Je pense pas que ça puisse prendre des pètes. Je sais pas, j'ai pas d'infos sur la façon, sur la peinture, la qualité, etc. Mais c'est super propre. Donc ici, on a Ivic VT. Au-dessus, on a le chargeur micro USB. Qui est en haut, ouais, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en haut. Moi, ça me plaît pas des masses qu'ils soient en haut. Après, pourquoi pas. Genre, quand on charge, on pose sa box et on est en haut. Je sais pas. On peut vaper en chargeant. On est habitué à ce que ce soit plutôt en bas. Je sais pas. C'est un choix de leur part. Pourquoi pas. Est-ce que j'ai assez de longueur là? On va parler tout de suite du chargement. Quand on charge l'écran, bon, je pars un peu dans tous les sens, mais c'est pas grave. Écran OLED très très beau, vraiment grand, des chiffres énormes, très sympa à utiliser, très visible. Il pourrait être un poil plus lumineux au soleil à l'extérieur, mais ils ont déjà revu ça par rapport aux versions démo, aux premières versions samples que certains reviewers avaient eu où il était très sombre. Ils ont un poil éclairci apparemment, donc vraiment agréable. On voit que la charge est en temps réel, c'est-à-dire que là, ça part d'assez haut, je suis presque chargé. Donc c'est agréable de voir exactement où on en est, à savoir qu'il faut compter environ 6 heures
pour une charge complète de 0, on a un petit éclair au milieu de la queue. Mais ça, je pense pas que je vais réussir à vous le montrer. Vas-y, fais-moi un gros plan de la folie. Est-ce que tu es capable de faire ça? Enfin, il y a un petit éclair, quoi. Ok, bah, la charge, on a vu. Hop, on peut vaper en chargeant, pas de souci. Quoi d'autre? Donc, les petits trous d'aération en dessous. La norme CE, pas recyclable. 5000 mAh, on va en reparler. 5 volts, 1 ampère, ça c'est pour, je sais pas, la recharge. On n'a plus aucune idée. Voilà, il n'y a pas trop de gravure, il n'y a pas trop de blabla. Le top cap chromé. C'est vraiment un bel objet avec un bon poids, c'est très agréable en main. Donc l'écran, juste à noter vite fait, donc on va jusqu'à 60 watts en power. La petite molette en haut de réglage, on y reviendra évidemment. Quand on passe sous les 10, les chiffres deviennent très gros, ça occupe tout l'espace. Et donc jusqu'à 1 watt évidemment, hein, toutes les box à contrôle de température doivent pouvoir descendre très bas en watts. Et on va pas voter à 20 watts. Défilement, on a connu plus rapide. Pour aller jusqu'à 60 watts, ça met un certain temps. Vous voyez, ça traîne un peu. Bon, après, voilà. Donc à l'écran, on a notre power, on a notre voltage envoyé. Alors, le voltage envoyé pour être à ce power en fonction de l'atomiseur, quand on a un atomiseur. Les ohms à deux chiffres après la virgule, ce qui est super sympa. La charge de batterie, on peut paramétrer. Dans le menu, on peut afficher soit le nombre de puffs, soit la durée de vape, enfin des conneries. Donc voilà. Le bouton, un gros bouton rond, brillant comme ça. Assez agréable. Moi, je l'ai fixé, je l'ai démonté. Je ne sais pas si tu l'as démonté dans la vidéo, on va voir. Parce que il refait un petit peu d'ailleurs. Je coupe la musique. Quand on passe comme ça, j'appuie pas, hein, je passe juste dessus, ça fait tac tac tac. Ça le faisait un peu plus que ça quand je l'ai reçu, donc moi je l'ai démonté, j'ai mis un petit bout de scotch sur le bouton. Je vais peut-être vous montrer ça, on va voir ça. Et donc en haut là, la molette de réglage, un peu particulière. Façon IVIC, un peu, vous rappelez, le tube IVIC avec son anneau autour qu'on tournait, donc c'est un peu le même principe. C'est pas mal, moi j'aime assez. Après ce bouton, je trouve un petit peu de cheap. Pareil, il bouge un peu. Il bouge un peu, à voir dans la durée, mais à l'utilisation c'est pas mal quand même. Je trouve qu'on manque un peu de grip. Moi j'ai tendance à utiliser du coup l'ongle sur cette petite butée là, tac, parce que si on le fait avec le gras du doigt, c'est pas super agréable. On y arrive, mais il manque un peu de prise, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à droite plus, à gauche moins, et puis navigation dans le menu. Le 510. Spring loaded, pas de souci. Voilà, un petit insert comme ça pour le 510, qui est un peu surélevé, un tout petit poil surélevé par rapport au top cap pour éviter les rayures. On le voit là légèrement, sauf qu'on voit des rayures parce que moi je suis un bourrin et que je serre comme un sourd. Certains atouts dans le top cap descend plus bas que la base, donc voilà. Mais c'est quand même prévu pour éviter de rayer ce top cap. Une petite prise d'air ici, rikiki. Voilà, qui est plus là, histoire de dire qu'elle est là. En tout cas, c'est super propre. 4 petites vis à étoile pour le démontage. Et puis, c'est tout, quoi. C'est très lisse, très doux, très agréable, quoi. Ça peut peut-être glisser un peu avec son poids. Oh! Mais bon, on tient pas non plus ça comme... On met un minimum de pression, donc pas de souci, moi ça me glisse pas des mains. Quoi dire d'autre? Quoi dire d'autre? En watts, elle prend jusqu'à 0,15 ohm minimum en coil, en contrôle de température jusqu'à 0,05 ohm. Donc 0,15 en watts, 0,05 en contrôle de température. Ok, à savoir que la charge, le USB, c'est uniquement pour la recharge, il n'y aura pas d'update.
Ivic nous avait fait, Joytech nous avait fait des updates avec ses Ivic avant. Ils ont abandonné l'affaire, donc dommage, il n'y aura pas d'update. 5 clics pour éteindre, à savoir que si on fait 20 clics quand elle est éteinte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, il nous affiche la version de firmware. Ici, là, 1.18. 1.18, c'est la dernière, a priori. Les versions samples envoyées avant la mise en vente étaient en 1.10, je crois. Alors, peut-être checker ça si vous en recevez quand vous la recevez, il y a peut-être des évolutions qui vont arriver. Donc 5 clics off, 5 clics on. Aucun affichage, aucun bye bye, aucun bonjour, aucun logo Joytech. Moi je préfère. Sobre, sobriété, efficacité. 1, 2, 3, 4, 5. Ça s'affiche direct. Tac. Ah, qui m'appelle? Je ne sais pas, on s'en fout. Quoi d'autre? Donc ça charge à 1 A, hein, vous avez vu l'adaptateur mural est un 1 A. Ceci dit, moi je l'utilise, je charge souvent mes appareils de toute façon sur mon adaptateur pour iPad qui est à 2 A. Mais il s'avère et il est a priori vérifié que c'est le chipset qui régule. Donc même si on plug sur un 2 A, la box mange 1 A et va pas tirer 2 A et risquer de poser des problèmes. Ceci est vérifié par Monsieur Phil Bussardo. Donc j'ai totale confiance. Donc voilà. Alors, on va parler tout de suite des accus. Donc 5000 mAh. Il y a un mini drama à ce propos-là, puisqu'il y a un gars qui a démonté sa box et qui a vu que c'était 3 lipos. En fait, c'est des batteries lipo, hein, je ne l'ai pas dit. 3 lipos de 1500 mAh. Ce qui fait x3, 4500 mAh. Scandale! Ils annoncent 5000 et en fait il y a 3 fois 1500, soit 4500. Donc déjà moi ça me scandalise pas plus que ça, honnêtement. On sait tous que toutes les accus mitonnent un chouïa sur les milliampères. En tout cas on n'a aucun moyen de le prouver vraiment. Sauf que Monsieur Phil Bussardo, toujours lui il y aura beaucoup de Phil Bussardo parce que évidemment c'est la référence en test d'électronique. Hein. A discuté avec Joytech, Chine, hein, évidemment, il n'a pas discuté avec un pauvre commercial européen qui n'y connaît rien et qui raconte des cracks. Il a discuté avec Joytech, il a discuté avec des pros des lipos. Déjà, ce sont 3 lipos en parallèle, me semble-t-il. Lipos en parallèle, ouais. Ça change quelque chose parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que donc les Chinois lui ont montré la référence des lipos qu'il y a là-dedans, il y en a 3. Qui sont donnés quand on les utilise à 30 ampères de décharge à 1550 mAh. Sauf que dans cet appareil, on ne les utilise pas à 30 ampères de décharge. On les utilise à 20 ampères maximum de décharge, je ne sais plus combien. Et dans ce cas-là, ces batteries LiPo-là sont données de 1600 à 1670 mAh. Ce qui fait x3, 5010 milliampères, je crois. Donc on reste dans les clous, franchement, il n'y a pas de scandale à ce niveau-là du tout. À savoir que les lipos, c'est assez sensible comme batterie. Déjà, je vais tout de suite, ne laissez pas votre Ivic VT dans la bagnole, derrière la vitre, en plein soleil. Les lipos, c'est quand même. Et d'ailleurs, toutes les batteries, ne laissez pas vos modes dans une bagnole bouillante. Ça craint un petit peu. Donc déjà, ça, première chose. Ensuite, les lipos sont assez sensibles comme batterie. Elles doivent être normalement chargées. Avec un système de charge un peu particulier, le balance charging, c'est-à-dire qu'on charge toutes les cellules ou les deux cellules, je sais pas, 2, 3, 4, j'en sais rien, en même temps, c'est-à-dire qu'on doit charger le lipo par le haut, par le bas, que ça remplisse les cellules en même temps composant la lipo, et pas d'abord la lipo du bas, puis charger celle du dessus ensuite pour une meilleure charge, etc. Sauf que ceci n'est pas valable non plus quand ce sont des lipos en parallèle, ce qui est le cas ici, 3 lipos en parallèle, donc c'est une charge classique ici. A priori, qui ne pose aucun souci. Voilà pour ça. Et d'ailleurs, Bussardo a fait un test de charge. Il l'a rechargé entièrement avec un appareil de mesure. Et lui, il a réussi à foutre 5123 mAh dedans. Donc, nos dramas sur la capacité de la batterie. Donc, on va parler du menu maintenant. Menu. Une fois qu'elle est allumée, 1, 2, 3, on rentre dans le menu. OK. On est sur le watt. Un coup à droite avec la molette, on passe sur le contrôle de température en nickel.
Un coup à droite, on passe sur le contrôle de température en titanium. Ok. Une fois qu'on est sur ce qu'on veut, exemple, je vais faire encore un coup à droite. Watt, nickel. Hop, je valide, je sors. 1, 2, 3. Un coup à gauche, on descend sur le power. Quand on est en température, contrôle de température nickel ou titane. Et là, on règle seulement vers la droite son power jusqu'à 60 watts. Une fois qu'on est à 60 watts, ça s'arrête. Et si on fait un coup à droite, on passe direct à 30 watts. Pourquoi? Parce que le contrôle de température sur cette box, en tout cas Joytech, estime qu'il faut au moins 30 watts pour que le contrôle de température soit efficient. Donc, et on voit que si on touche à rien, le menu, on sort du menu quoi. Donc on peut pas, on est obligé de régler au moins à 30 watts en contrôle de température. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et en plus, on peut pas monter. Mais en fait, on va voir qu'on s'en fout totalement. Donc en gros, moi je mets 35-40 watts. On va mettre 35. Ok, et donc on peut pas descendre puisque si je descends avec la molette. Je vais passer au menu suivant qui est l'atomizer qu'on peut loquer ou pas. Ça c'est pratique aussi, on verra si j'y pense. Un coup à gauche, on descend sur la batterie et c'est là qu'on peut choisir ce qu'on veut afficher. Batterie, niveau de batterie, nombre de puffs et temps vapé. Je sais pas si c'est en minutes, j'en sais rien et je m'en tape. Donc moi je laisse batterie. On clique, on sort du menu. Pourquoi je dis on s'en fout qu'on puisse pas régler les watts? Parce qu'en fait c'est le premier device qui est un vrai contrôle de température. En fait je me rappelle quand le DNA40 était sorti, Todd disait mais Evolve pourquoi vous nous faites chier? Pourquoi on doit régler les watts? On doit rentrer dans le menu, régler la température, tac 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 tac. Pourquoi on peut pas régler directement la température? Et bien ici c'est le cas plus ou moins. Parce que même si pour nous 30 watts c'est trop, bon, ici j'ai 35, je vais mettre mon ATO. Mais mon ATO, il détecte tout de suite 0,22. Je vais rentrer dans le menu. 1, 2, 3. Je descends. Vas-y. 1, 2, 3. Je descends. Je vais verrouiller un coup à droite ma résistance pour que le calcul de température soit plus précis puisque on sait qu'un coil nickel ou titanium ou n'importe quel coil d'ailleurs monte en ohm quand il chauffe. Et donc va perturber le calcul de température, etc. Avec ça, ça reste bloqué sur 22. Et également, quand on va repluguer un autre ATO, il nous demandera plus nouveau coil, ancien coil. Si c'est verrouillé, il reste sur ce qui est verrouillé, quoi. Donc, on est à 35 watts. 270, j'ai réglé à 270 degrés. On voit, protection. Ça descend, ça descend. Si je tire pas et que j'envoie pas d'air sur le coil chauffe. Et je me dis à 35 c'est trop, je veux descendre à 30. Et alors si je veux descendre à 30 dans l'absolu, il faut que je fasse 3 clics, que je descende sur les watts, que j'aille jusqu'à 60 et que je refasse un coup pour être à 30. Mais non, pas du tout. En fait, on rentre même pas dans le menu, on va descendre, je sais pas, au pif. Hein. Moi j'utilise pas trop, donc je sais pas trop, je vais le faire au pif. Je descends à 200 degrés. Et là donc il va protégé plus tôt en température. Donc on voit qu'à 200 je vape à 10 watts, donc ça ne va pas, je vais remonter un petit peu. 220, voilà, on voit qu'à 220 je vape moyennement à 15-16 watts. Bon, je vais un petit peu plus, et pourtant je suis à 35 ici, hein, on s'en fout complètement quoi. C'est vraiment contrôle de température. 230. Voilà, enfin on fait comme ça quoi. Et puis on fait aussi au goût, hein, on n'est pas obligé de regarder tout le temps les chiffres. Hein. Donc voilà, c'est pas mal je trouve. Voilà, je suis à peu près à 20 watts, ça me va bien, je suis content. J'ai pas besoin de rentrer dans le menu et de stresser la tête parce que j'ai marqué 35 watts ici. Donc ça, je trouve ça pas mal, à savoir évidemment que tout ça est assez variable en fonction de la viscosité du jus,
Plus il y a du haut coil, plus le coil est refroidi, donc plus on va vaper fort. Plus on tire fort, plus le tirage est serré, plus on va faire rentrer du jus et refroidir le coil. Enfin voilà, il y a pas mal de trucs qui rentrent en compte pour le contrôle de température. Mais je trouve ça pas mal, voilà. À noter. À noter également que Bussardo dit que en contrôle de température nickel, cette box envoie beaucoup moins que ses confrères DNA et Yihi. Donc à la limite, moins c'est mieux que plus, mais qu'il faudrait pour ceux qui sont habitués au contrôle de température mettre une température un peu plus élevée que ce qu'on met habituellement sur ces autres box avec celle-ci. Par contre, en titane, elle est vachement plus accurate, précise que Yihi et RDNA. Donc l'un dans l'autre, elle est quand même pas mal cette petite box pour le contrôle de température. Le signal est super plat, pas de soucis. Bon voilà quoi. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Donc là, le coil est chaud, je vais vous montrer. Donc il est plus à 0,22, là il doit être à 0,3 ou je ne sais pas, on va voir. Je le revisse. Il me dit 0,23, mais si dès le premier fire, il redescend à 0,22 quoi. Donc, on va faire chauffer un petit coup. On va voir à combien il est. 29, vous voyez. Mais dès que je fais fire, il redescend à 22. Alors que si j'avais pas locké la résistance, il serait resté à 29 et il aurait fait ses calculs en fonction de la température du coil au temps présent, sachant qu'il chauffe, il refroidit, il chauffe, il refroidit. Donc ça, c'est quelque chose de moins précis si on ne loque pas sa résistance. Je crois que c'est clair. Moi, franchement, le contrôle de température, ça me passionne pas du tout. Pour l'instant, hein. Peut-être j'y viendrai. Pour l'instant, ça me fait plus chier qu'autre chose. Surtout sur le dripper. Et sur le dripper, bah, il suffit de dripper pour pas avoir de dry heat, quoi. Après, je comprends que ça peut être super pratique. Moi, ce que je trouve bien sur le contrôle de température, en fait, c'est surtout pour quand on a une tête de clairo en nickel, c'est de faire durer sa tête de clairo vachement plus longtemps que sans, quoi, puisque elle ne crame jamais, et elle tient plus longtemps. Donc voilà, en tout cas moi je l'utilise beaucoup en watts, parce que 60 watts ça me parle. C'est à peu près le maximum auquel je vape. Donc par exemple si je lui colle un petit mini gobelin. Pourquoi je l'aime beaucoup? Parce qu'elle va à 60 watts, parce qu'elle prend des résistances à 0,15 en watts, ce qui est très bien. J'en ai marre des box qui sont limitées à 0,3 ou quoi, c'est chiant quoi. Voilà quoi, je vais lui mettre 60 watts, ça va être un peu trop. Mais il n'y a aucun souci. Hein. Alors remarque, il est à 0,63, bon, c'est pas la question. Mais il me prendrait un col super bas de 0,2 quoi, donc c'est quand même pas mal. Ça marche super bien, le signal est super lisse, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de PWM. Même en step down, il n'y a pas l'histoire de cut on, cut on, cut on, serpent à sonnette. Tout ça validé par Monsieur Bussardo toujours. Qu'est-ce que j'aurais pas dit? Mon 510 qui est un poil croquette, un poil en biais, c'est plus bas ici que là. Ça dépend de la taux, ça dépend du 510 de la taux, ça dépend de comment je tire, mais c'est un petit tout petit poil en biais, mais rien du tout, hein, je chipote à mort. Qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? La molette qui manque un peu de grip et qui m'a pas l'air hyper durable. Je pense qu'il y a un ressort en tourbillon dedans, je sais pas. À voir dans le temps. J'aime bien le principe. Après, je pense que ça peut être amélioré, peut-être en dépassant de la box pour être plus ergonomique, quoi. Je sais pas. Donc pas de pulse switch modulation. Oui, alors après veille, elle s'éteint au bout de, je sais plus, 30 secondes, je crois. On va voir ça. Évidemment, le chipset embarque toutes les sécurités, hein, toutes les sécurités habituelles, quoi. Pas d'inversion de batterie, puisque les batteries, elles sont dedans, elles y restent. Mais court-circuit, voilà. Enfin bref, pas de souci. Quand il est en veille et qu'on fait son premier fire, ça a tendance à envoyer une grosse patate. Quand il est réveillé et qu'on refire, ça va. Bon là je suis à 60 watts, c'est peut-être pas évident à montrer, mais quand on va peut-être à 20-30 watts et qu'on fait son premier fire après une veille, on va voir que quelques secondes ça envoie un petit peu plus fort que ce qu'on a l'habitude de ce qu'on a demandé quoi.
c'est à noter. Moi, ça me dérange pas trop que ça. C'est vraiment juste que c'est un peu surprenant. La première puff, on s'en prend un peu, on entend le crépitement un peu fort, on trouve ça chelou. Le lock résistance, on a vu. Le contrôle de température, un peu faible sur le nickel, mais parfait sur le titane, on a vu. Un vrai contrôle de température. D'ailleurs, je crois qu'il y en a d'autres qui arrivent. J'ai vu l'Istik 40 contrôle de température là qui arrive. Pareil, on règle uniquement la température quoi. Je pense que c'est plus friendly et plus easy comme ça quoi. Je crois que là, même la Istik 40, je crois qu'elle est à 40 watts, elle est capée à 40 watts et on règle juste la température et du coup les watts baissent un peu ou quoi, mais voilà quoi. Je trouve ça sympa. Tac tac tac, ça c'est fait. On va parler de l'autonomie. L'autonomie, franchement, c'est l'un des premiers modes qui me tient la journée, en tout cas, ça c'est clair, sans souci, où je me pose même pas la question, voire 2 jours quoi. Et moi, j'ai jamais tenu 2 jours, même avec des box à dual AQ, j'ai jamais tenu 2 jours. Donc là, on a 5000 mAh. C'est du lipo, a priori le lipo c'est plus efficient que nos batteries lithium machin. Voilà, moi je trouve que l'autonomie est très très bien. À noter, à 60 watts, si on lui tire un peu sur la gueule à 60 watts tout le temps, ça chauffe un petit peu. Alors est-ce que c'est les batteries qui chauffent? Est-ce que c'est la chaleur de la taupe qui se transmet au chrome là-haut? Je ne sais pas. Donc éventuellement elle n'est pas faite pour les bourrins qui veulent vaper à 60 watts all day, même si moi je peux le faire. Je m'autorise à le faire, mais c'est peut-être pas conseillé. Voilà quoi. Qu'est-ce que je pourrais dire encore? Monsieur Bussardo a eu un gros souci, lui. Il a eu un souci, il était en contrôle de température. On le voit dans sa vidéo, d'ailleurs, ça lui arrive dans sa vidéo. À un moment, il fire. Alors, il est 1, 2, 3. Il est en contrôle de température nickel. Ah, je sais pas combien. Il fire et on voit qu'il. Merde, 1, 2, 3. Tiens, d'ailleurs, là, il veut pas y aller, quoi. C'est chelou, peut-être parce que, justement, il a remarqué que j'étais en... Je sais pas. En tout cas, Bussardo, il a eu un coil en nickel. Il est réglé en contrôle de température nickel. Il vape, tout se passe bien. Et à un moment donné, il fire. Et là, ça saute de nickel à puissance, quoi. Et il se prend, trop de watts par rapport à son coil nickel, ce qui peut être un peu dangereux. Donc, est-ce que le chipset a des tendances à bugger et à sortir du contrôle de température, je ne sais pas. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. C'est bizarre là. On ne pourrait pas régler sur contrôle quand on est en Cantal, ce qui serait bien d'ailleurs, mais je ne sais pas. J'avais pas fait gaffe à ça. Je me mets en nickel. 1, 2, 3. Hop. Donc il va payer en vidéo comme ça. Bon, là, je suis en protection. Et là, moi, je reste bien en temps nickel. Donc, je sais pas. J'ai pas entendu de retour de nombreuses personnes à qui c'est arrivé. Donc, je pense pas que ça soit un bug récurrent. Donc, voilà, on s'en fout. Mais je le signale quand même. Donc, lui, il conseillait que quand on était en montage nickel, de coiler sous les 0,15. Auquel cas, si ça saute en puissance, sachant qu'en puissance, ça fire pas sous les 0,15. Et eh ben on se prendra pas un vilain draïd quoi, puisque ça ne pourra pas envoyer. Et voilà, là j'ai mis mon Cantal, j'ai essayé de firer en contrôle de temp, il a sauté tout seul en wattage. Est-ce à dire que Monsieur Bussardo a un fil nickel un peu moisi? C'est possible. À savoir également que Joytech lui aurait dit que leur Clio et leur tête nickel marchaient mieux que les autres. Alors je sais pas ce qu'il y a, est-ce qu'il y a anguille sous roche là-dessus. En tout cas, c'est dit. Et autre chose qui lui est arrivée à Bussardo, c'est le bouton qui, une fois, il n'a jamais réussi à le reproduire, est resté en fire. Alors là, ça craint, parce que rester en fire, si on n'arrive pas à le débloquer dans les secondes, sachant que c'est du lipo, si au bout de 5-10 secondes, on n'arrive pas à enlever le fire, on jette ça par la fenêtre. Hein. On enterre ça dans le sable, on jette ça dans l'océan, enfin, on fait quelque chose, quoi. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, et a priori, ça lui est arrivé une fois, il n'a jamais réussi à le reproduire, alors est-ce qu'il y avait un truc coincé dans son bouton? Je ne sais pas. Enfin voilà.
Si ce que j'ai pas dit, c'est qu'il y a deux options sympas ou pas en appuyant sur le fire et la molette. Alors si on fait les deux en même temps, vous voyez, ça glisse, c'est pas super easy quoi, surtout en caméra. Molette à gauche et bouton fire. Comment je vais faire ça? Tac. On reste appuyé, on est en stealth mode. Stealth on. C'est-à-dire qu'on vape. Mais rien ne s'affiche à l'écran. Pour l'enlever, même combat. Fire et gauche. Stealth off. Et on revient en normal. Et pareil, vers la droite. Keylock. Donc keylock, c'est la molette là-haut qui du coup ne fait plus rien. Pour pas dérégler ses réglages. Bon, ça sert pas à grand chose à mon sens. Donc voilà les deux seules petites options. Tiens, je l'ai pas déloqué. Hop. Fire droite. Key unlock. Vraiment agréable, vraiment une belle box, une belle qualité, un certain poids, attention, j'ai pas ma balance, je vais pas repartir chercher la balance, ça doit être dans les 250, je sais pas. Est-ce qu'il y a le poids, tiens? Est-ce qu'il y a le poids dans le livret? Tac, 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 ils vont pas mettre le poids. Ils vont pas mettre le poids. Un truc important que j'ai pas dit, cette box émet un petit bruit. Un petit bruit, un petit ultrason, vous l'entendrez jamais, c'est pas la peine. Un petit moustique permanent, mais très très bas, qu'on entend que quand il n'y a aucun son, qu'on n'a pas de musique, qu'on n'a pas de télé, qu'on n'a personne qui parle, et qu'on l'approche de sa bouche pour vaper, on peut l'entendre quoi. Non seulement ça, non, donc il y a ce petit moustique, non seulement ça, mais aussi un petit tic. Façon montre. Ouais, voilà. Alors, ça fait un petit ultrason plus un tic-tic. À l'oreille, c'est pas super agréable. Mais franchement, quand on l'a là, on l'entend pas. Quand c'est posé, même dans le silence, on n'entend pas. Faut quand même s'approcher. Après, ça dépend peut-être de l'ouïe de chacun. Mais à noter, à savoir que c'est totalement normal. D'ailleurs, ils en parlent dans le livret. Je sais plus qui sur Facebook m'en a parlé. Sinon, j'aurais peut-être pas lu le livret jusqu'au bout. Il est possible que l'appareil émette un bip ou un tic-tac. Ben non, il émet les deux. Dans ce cas, veuillez ne pas vous inquiéter. Le tic-tac résulte du logiciel de l'appareil lorsqu'il détecte la résistance. Ce son est émis par les commutateurs d'inducteurs de circuit de sortie. Le bip continu est le résultat d'amplification de commutateurs d'inducteurs du circuit. Sans utilisation pendant 3 minutes, l'appareil se met en veille et n'émet plus de son. Alors effectivement, au bout de 3 minutes, enfin là il est déjà en veille au bout de quelques secondes, mais il y a une vraie veille profonde au bout de 3 minutes, je l'ai constaté, sauf qu'au premier fire, le tic 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 et le bip, il revient, donc voilà, on s'en fout un petit peu. Mais à noter, pas de quoi s'inquiéter, c'est normal, c'est le chipset qui check la résistance en permanence, il y a des trucs qui se passent dans les circuits, j'y connais que dalle, mais en tout cas c'est là. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour, un petit peu laborieux, voilà. J'ai un peu rechigné, il y en a des tas, des reviews sur les VicVT. J'espère y avoir apporté quelques petites choses. On repasse sur ma tête pour une conclusion rapide. Mais non, on va pas repasser sur ma tête, je vais vous le démonter quand même. Ça me fait kiffer. Je prends un peu le risque de l'abîmer, mais c'est pas grave, je vais la redémonter. Pour vous montrer ce que j'ai fait, ce qu'il faut ne pas faire. Hein. Et puis c'est intéressant quand même de voir l'intérieur. Est-ce que c'est la bonne clé? Ça doit être la plus petite. Yes. Mon petit tournevis magique. Donc on a 4 vis, étoile, je sais pas la taille. Très petit quoi. Allez hop. Est-ce qu'il est éteint? 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est mon tournevis, hein. C'est pas les vis qui queen. Donc 4 vis toutes bêtes à enlever, hein. Hop. Et alors là, juste passer un ongle autour et tout va sortir d'un seul tenant. On y va délicatement.
on tire pas comme un sourd, on veut pas que ça sorte d'un coup. Et surtout, une fois qu'on a passé le chipset, on y va encore plus doucement, puisqu'ensuite c'est les batteries. Tac, une fois qu'on est là, on met sa main en dessous et on sort le tout comme ça. Et surtout, la batterie elle est lourde, donc vous voyez, ça bouge entre les deux entre eux. On veut pas que la batterie entraîne les fils et foute le bordel, donc on pose ça à plat. Juste vite fait, l'intérieur, bah, c'est un châssis en alu, je sais pas. C'est super propre, je sais pas comment ils font ça. En tout cas, c'est propre. On voit, il y a un petit. Derrière, il y a une petite vitre là, un peu dark pour l'écran. Les câbles. Le bouton, donc voilà ce que j'ai fait moi. Le bouton il se présente comme ça, c'est une pièce comme ça. Deux trous, ils servent à rien, je sais pas à quoi ils servent. Et le rond bouton, tout ça d'un seul tenant. Et donc j'ai juste mis trois bandes de scotch, vous voyez, qui viennent se plaquer contre la coque et qui évitent un peu le bling 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 quoi. C'était juste des petits freins quoi que j'ai mis en fait. Des petits freins de scotch, je vois que ça n'a pas bougé, c'est parfait. Ce bouton qui est juste, je ne sais plus, tiens, j'avais dit, on voit qu'il y a trois côtés du bouton avec un rebord métallique et un côté sans. Et je crois que le côté sans est vers le haut. Mais avant de le remonter, je vais quand même aller vérifier. Pardon, hein, ça va prendre quelques secondes, mais on s'en fout. Je vais aller vérifier sur mon Facebook parce que j'avais fait la réflexion et que je ne me rappelle plus. Hop. Alors, c'était où? En plus, Facebook est à la ramasse en ce moment. Je sais pas pour vous. Photo, tac, tac, j'y suis. Photo du bouton, où est-ce qu'elle est? Ça date d'une quinzaine de jours ou trois semaines. Voilà, le bouton est là, tac. Et dans les commentaires, j'ai dit... Merde. Bon, peut-être je ferai un cut. Hein. Bon, encore dire que... Voilà. Où est-ce que j'ai mis ça? C'était le 19 juin. Ah là 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 là. Pourquoi je me rappelle pas de ça? Alzheimer me guette. Vas-y Facebook, me fais pas chier en plus. Oh la plaie. Voilà, 20 juin, où est le 19 juin? Eh ben, il doit être juste avant. Bon, je sens que je vais pas retrouver. J'avais donné le conseil sur mon Facebook au cas où des gens s'amusent à le remonter. Il me semble bien que la partie sans rebord c'est vers le haut. Je cherche encore un petit peu, hein. Excusez-moi. Donc les photos de démontage sont là. Pourquoi j'ai pas de commentaires ici? Donc c'était pas sur celle-là. Est-ce que c'est sur celle-là? Non. C'est ouf, je retrouve pas. Bon, je l'ai dans l'os, on va voir. Donc sinon, je revérifierai après. On voit ici les accus, hein, protégés par des petites mousses contre les coques. Tac, un petit machin, un tissu en bas. Donc ces trois rectangles lipo scotchés ensemble. Hein. Okay, qui font cette taille là, trois l'un sur l'autre, et puis relié au chipset, c'est assez propre, câblage nickel, chipset je ne sais pas trop, les pros y verront des choses que j'ignore. Voilà, il y a deux circuits, l'écran ici, le bouton là, ouais je pense qu'on s'en fout, je vais le mettre vers le bas, enfin je vais faire comme j'ai dit. Donc voilà, tout ça me paraît un peu nickel quoi, hein. Je crois qu'il y a des petits filaments de colle de ci, de là. Bon.
Alors évidemment, je vous conseille pas de l'ouvrir, je vous conseille pas de la démonter, ni de mettre du scotch à votre bouton. Voilà. Nickel. Et donc, toujours tenir tout en même temps. Hein. Et pour remettre, alors pour remettre, je vais donc remettre mon bouton, a priori, comme ça, avec le haut ici. Je le mets en place. Ok. Dans son trou. Et puis, je réenfonce. Ah oui, c'est dans l'autre sens. Je ne trompe pas de sens. Tac. On passe les accus, ça rentre tranquille. Le chip, alors le chip, hop, on descend, on descend, on descend, on descend. C'est là, au niveau de du circuit, là, que ça force un petit peu, donc on y va tranquillement. Ça force pas trop, hein, mais on y va tranquillement. On tourne, on y va, on pousse, tac, terminé. Un, deux, trois, quatre, cinq. Impeccable. Donc voilà, je le revise et on y va sur la conclusion. Yes, les Vapers. Donc, non, voilà pour la conclusion sur l'Evic VT. Franchement, je la kiffe. Je l'ai kiffé direct d'entrée. Limite à me dire, si je devais en garder qu'une, ça serait celle-ci, quoi. Après, bon, faut dire que j'ai un petit peu d'autres trucs un peu lourds qui sont arrivés depuis. Mais honnêtement, tout à fait honnêtement, pour 80 boules, on a une box qui va à 60 watts, qui a 5000 mAh d'autonomie et qui est excellente d'ailleurs cette autonomie. Après les lipos, ça a une durée de vie, je crois, ça a une durée de vie, donc je sais pas, ça doit tenir facile un an quoi. Je trouve que pour 80 boules, peut-être 60 en Chine, je ne sais pas. C'est quand même une super box, très très belle. Je regrette pas, je regrettais un peu sur le coup d'avoir dit à Psyché de m'envoyer la noire. Je voulais la orange, mais finalement la orange, elle irait avec pas grand chose. Et je trouve que cette noire est rouge, mais c'est pas du rouge, hein. Enfin, c'est du marron rouge, c'est très 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 beau. C'est magnifique. C'est un peu bling bling, hein, le chrome et tout. C'est hyper agréable, quoi. Après, comme je disais, à 60 watts, ça a tendance à chauffer. Bon, en même temps, avec les températures actuelles, c'est un peu normal. Mais je pense que pour quelqu'un qui veut vaper à 30-40 watts et tenir 2 jours easy, c'est super quoi. Et à qui le design plaît évidemment. Hein. Ça a vraiment de la gueule quoi. Franchement, les Chinois ils sont en train de tuer le business quoi. Ils l'ont inventé. À mon avis, ils en ont encore pour. Hein, ils en ont encore sous le, hein, sous le coude. Donc voilà, moi je l'utilise beaucoup en dripper à 40, 50, voire 60 watts. Mais tout lui va bien en plus. Tiens, je vais lui coller quoi? Je vais lui coller le petit Goliath V2. Enfin voilà, un Clyro, un dripper, n'importe. Hein. Même un Carto, hein. C'est une vape super lisse, hein, d'après Bussardo. Enfin lisse, pas la plus lisse. Il y a des micros, mais bon, des micros que personne ne sent. Je vais peut-être pas le vaper à 47 watts, ce gobelin. Plutôt à 30-35 watts, on va dire. Hop là. Aucun souci avec mes atos. Toujours l'origine. L'origine. Seulement l'origine. Mon origine Genesis V2. Est-ce que c'est mon pin brass de mon origine que j'ai un peu trop serré, du coup, qui dépasse pas assez? Sûrement. Il doit y avoir moyen. Mais ce 510, c'est vraiment super agréable. Dépasse un poil. Je suis crooked. Un poil crooked. Un peu plus bas là, mais c'est même pas flagrant à la caméra, on dirait l'inverse. Mais je vous assure, bon, c'est un poil. Aussi un petit poil, le top cap ici là, qui dépasse un peu du châssis. Quelle que soit la façon dont je le revisse, mais franchement, là on voit un peu plus là que là. Normalement c'est bien flush, mais on s'en fout. Les bords sont arrondis, sont élégants. Pff, franchement, 80 boules, ça a un prix. En France, ça a un prix. 80 boules, mais pour moi ça vaut vraiment une box high-end, je sais pas, une box high-end quoi, 60 watts. Vraiment classe. Franchement, j'aimerais bien avoir les trois posés avec trois atos pour le fun.
tout cas, je la conseille clairement. Merci beaucoup à Psyché. Xie, Psyché, comme d'habitude. Merci Xie, Psyché. J'aimerais connaître ton vrai prénom. Et puis, je vous dis à la suite. Prochaine review sur le Twisted Messies, dripper américain, a priori, hein. Voilà. J'ai 4, 5, 6 belles revues à venir. Il faut juste que je prenne le temps de les shooter. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Ciao, bye bye. Like, ugh.